Oh oui, là c'était pas mal. Là c'était pas mal du tout. Je pense qu'on va pouvoir l'achever. Et c'est ok. Ah, oh, je te jure. Y'a rien à faire. Ce boss est toujours aussi relou. À chaque fois que je le fais. Ok, il reste encore ce qu'il y a ici. Et on est tout. Bon. Allez, voilà. Il faut mourir, monsieur. Au bout d'un moment, il faut mourir. Enfin, bref, voilà. Du coup, salut à tous, c'est Yvanel. Bienvenue dans cette vidéo sur Sword Art Online, Fatal Bullet. Et donc, nous sommes de retour du côté de l'équipe alternative. On va l'appeler comme ça parce que, voilà, on est censé avoir Len dans cette équipe. Len et tous les autres qui sont dans l'animé. Donc, bon, Rain et Seven, non, mais voilà, sur le principe, on a quand même Kirito d'un côté pour l'équipe Sword Art Online et Len de l'autre pour Sword Art Online Alternative. Donc, vous comprenez pourquoi je les appelle comme ça. Bref, cette fois-ci, retour dans le Blizzard. Et j'espère qu'on va trouver quelque chose parce que bah, la première fois, on était quand même assez vite reparti. Moi, j'étais persuadé qu'on allait trouver un boss. Un gros machin bien, bien costaud. Mais ce n'était pas le cas. Allez, allez-y. Mettez tous les buffs. Moi, je confirme où est-ce qu'il faut aller, c'est-à-dire un tout petit peu plus loin. Espérons que ça passe. Et qu'on se chope pas un truc trop méchant. Alors ici, voilà, il y avait des... Normalement, il y a des... Comment ça s'appelle ? Pas des délinquants, mais des gros trucs tout moches. Voilà. Ah ben si, c'est ça. Délinquants arctiques. Et on les avait déjà combattus. J'aimerais les esquiver cette fois-ci si possible. Pour qu'on se concentre tout de suite sur ce qu'il y a à faire. Parce que j'étais resté sur une... Enfin... Non, on s'en fiche. J'étais quand même assez frustré la première fois qu'on était là. Parce qu'on n'avait pas pu faire grand-chose. Donc cette fois-ci, s'il vous plaît, amenez-moi... Amenez-moi mon boss ou quelque chose, parce que là, ça ne va pas. On n'a vraiment rien dans ce blizzard. Ah, cette fois-ci, c'est pas pareil, c'est un vandale. C'est pas un délinquant. Je me rappelle plus la différence entre les deux, mais je crois que les vandales sont plus forts. Honnêtement, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que nous arrivons à l'event. Et donc, cette fois-ci, dites-moi tout.私も昨日そう思ったよ。めんどくさいエリアだよね。まったくどこの誰が考えたんだか。私たちは恋愛って目的があるからいいけど、セブンちゃんたちは本当にここで良かったの？ええ。なんとなくだけど、根拠はないけど。それでもあの人はここにいる気がするの。 D'accord, c'est une personne qu'elle recherche en fait. Moi, je pensais que c'était un objet. だから、私はあなたたちについていくわ。よろしくね。そういえばセブンは何かの調査のために GGOに来たんだっけ？一体何を探してるのか、お姉さんたちにこっそり教えてもいいんだぜ。実はね、ユナを探しているの。うん、オッケー。ユナって あのARアイドルのユナのこと？今GGOに来てるはずなの。私ログを見つけたんだから。え？来てるよ。ログ？それってどういう？今の声って。 ユナだよ。ユナちゃんだ。本物？本当に本当にユナちゃん？みんな頑張ってる？本当にユナちゃんだ。なんかちょっと。
Ouais, c'est exactement à ça que j'étais en train de penser. Bah ouais, justement. Moi, c'était à ça que je pensais. Le Blizzard, c'est cool parce que on peut pas voir les snipers, on peut pas. Ça fait une très bonne zone pour rendre les choses un petit peu hardcore. Ah ouais. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Arrêter le Blizzard parce que sinon on peut pas avancer. J'y avais pas pensé.変わったものやおかしなものがないか探しながら進みましょう。変わったものやおかしなもの。全身ピンクのチビ女なら、すぐ近くにいるけど。やだな、フカ、チビだなんて。褒めても何も出ないんだからね。気にしない、気にしない。気にしたら負けだぜ。ひとまずセブンちゃんの言う通り。 Bon, faisons ça. Ok, vous suivez ou vous êtes perdu? Bref, on va continuer un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va quand même se faire les ennemis parce que ça va. On a pu avancer. Donc voilà, Yuna, c'est une intelligence artificielle. Vous savez de qui il s'agit si vous avez vu le film, Ordinal Scale. Ok, du coup on va se faire ce Vandal. Si on peut. Ah d'accord. Ok, il y en a deux en fait. Ah non, ça c'est Pyromane. Ouais, Pyromane c'est la version encore au-dessus je crois. Ok, donc il faut commencer par le Vandal en fait. Sauf que là on est mal barré. Viens par là que je vise ton point faible. Encore faudrait-il qu'il m'attaque. Ok, pas mal. Voilà, faut viser les cornes. Ouh, mais il est résistant ce truc. Je sais même pas où je vais, je connais pas la carte, on y voit que dalle. C'est l'horreur. En plus, il n'y a pas de musique, c'est stressant. Complètement raté, mais c'est pas grave. J'ai quand même fait des critiques. Il faudrait peut-être que je débuffe l'autre. Non, tant pis. Eh, vas-y, mange-toi ça. Ça, c'est pas mal. Voilà, il faut quand même que je... mince. J'ai perdu mon debuff, vu que j'ai switché d'arme. Ça va pas du tout, ça. On va pas durer longtemps si je fais pas attention. On n'a pas l'air comme ça, mais je suis pas très à l'aise. Ok, donc on va debuff déjà. Oh, bien. Bien, bien, bien. Ouais, franchement, si je le debuff pas, ça passe pas. Ça fait pas de dégâts du tout. Ok, donc je reprends le Vandal.
Vas-y, retourne-toi. Mince. Ah, j'ai un mal de chien. Ok, voilà, là, il va crier. Mince, raté. Pourquoi est-ce qu'il m'attaque jamais? Voilà, là, c'est pas mal. Comme ça, le Vandal, on va bientôt le tuer. Lena, fais gaffe. Ok, c'est tout bon. Allez. Voilà, le Vandal, c'est fait. Maintenant, on peut s'occuper du pyromane, qui est donc censé être un petit peu plus puissant encore. Enfin, 245, ça se voit. Mais c'est la même méthode. Viser les cornes et faire en sorte qu'il arrête de bouger aussi, accessoirement. Qu'on puisse vite se tirer d'ici, parce que mine de rien, ça fait un peu bizarre quand il n'y a pas de musique et tout. Qu'est-ce que j'aimerais pas en fait, c'est qu'il s'en aille trop loin et qu'il disparaisse. Ah mince, le debuff est parti. Vas-y. Ok, je l'ai eu. Au moins, ça l'a arrêté dans sa course. Ah ouais, mais Fuka, tu vas... Ah non, pas Fuka. Seven, tu vas pas m'aider si tu fais des champs gravitationnels. Ah si, là par contre, ça va. Ok. Allez, c'est bon, on l'achève. Tous sur lui. Bon, ça va, il y a des critiques qui sont passées, mais... Ça n'aura pas suffi. Oh mince. Mince, mince, mince. Faut pas laisser faire. Non. Oh non, c'est trop tard. Il a pas réussi. Pourtant, j'ai cru qu'il avait... Ah si, il a réussi. Il a réussi à appeler un copain. Oh, je te jure. J'aimerais bien qu'on ait la paix, donc on va s'en débarrasser. Allez, vite, 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 dépêche-toi. Bon, ça va, lui, franchement. Il encaisse... beaucoup moins, et puis... Puis il a pas l'air très réactif. Ok, c'est tout bon. Bon, voilà, désolé pour ce petit contretemps, mais je tenais à m'en débarrasser, puis ça fait toujours de l'XP, hein. Et de l'argent, alors voyons voir. Nous avons ici un coffre, donc on est censé... chercher des choses qui sortent un peu de l'ordinaire... Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est surtout cette tour là-bas. Et puis le fait de savoir ce que Yuna fait ici. Alors c'est marrant parce que on a retrouvé Eiji dans l'équipe Sword Art Online normal. Et là, du coup, dans le deuxième groupe, on a Yuna. C'est plutôt marrant parce que les deux équipes ne se sont pas croisées encore. Ok, ouais, c'est beaucoup plus loin en fait. Il n'y a que de ça ici, mais c'est pas possible. Ouais, est-ce que je suis sur la bonne route? Ouais, c'est bon, donc il faut se le faire, mais... Si tu pouvais tomber, essayer de le paralyser, je ne sais pas. Ok, vas-y, vite, le... Salve rapide. Oh! Je sais pas trop qui est-ce qui vise, du coup moi j'arrive pas à savoir quand tirer. Ah mince, complètement raté. C'est dommage. Seven. Bon allez, faudrait le tuer maintenant. Faites-le tomber ou je ne sais pas. Ah mince. Tellement mauvais. En plus, c'est pas facile pour se battre ici. Je connais pas en plus. Là, c'était bien. Enfin, vite fait, quoi. Ah, mince.
T'inquiète, j'arrive. Ah mince, c'était déjà fait. Voilà. Là maintenant c'est bon, on focus dessus et c'est ok. Ok, c'est très bizarre ce début d'épisode. Hein. C'est très bizarre. Et une ambiance bizarre. Ok, est-ce qu'on y est là? Ouais, c'est bon. Je suis persuadé qu'il y a des trésors encore un petit peu en arrière, mais si on fait que tomber sur des délinquants... J'aime autant avancer. Ok, ça y est, on arrive. Ok, et le vent est de plus en plus fort. Je crois que le niveau de la neige a monté. Ouais, peu importe. D'accord, enfoncez-vous au cœur du blizzard, ok. Ce qui veut dire... ça va, c'est pas trop loin. Est-ce qu'on va encore se choper des monstres? Ouais, en fait, c'est ça. Ça nous amène vers cette espèce de grande tour, là. Et d'un côté, ça me donne tellement envie... Ah ouais, voilà. J'allais dire, ça me donne envie d'aller voir ce qu'il y a là. J'espère que c'est pas un piège. Couvre-chef arctique. Ok, super, merci. Merci beaucoup. Quitte à mettre des coffres comme ça, mettez des trucs qu'on n'a jamais eu, je sais pas. Ok, bon. Il est clair que notre objectif, c'est cette espèce de machin. そういう名前のアリアがあるわね。関係あるかどうかは知らないけど。施設の周囲の吹雪が周りと比べて明らかに強くなっている。あの建物がこの吹雪を発生させているのかもな。人工降雪施設みたいなものってこと?じゃあ、あの施設を止めれば。問題はどうやって止めるかね。 あの規模の建物をぶち壊すには、私の右だと左子でも火力が足んないかな。あ、あの建物の前にあるオブジェクト、あれを使うことはできないかな。初めて見るオブジェクトだな。使い方がわかればいいんだが。そうね。しばらくはあの施設の攻略方法とオブジェクトの使い方を調べましょうか。 Oh non, ne me dites pas qu'il va falloir changer d'équipe, pas maintenant. Ok, ouais, là il y a un souci, par contre là je suis d'accord. Il s'est passé quelque chose, il faut qu'on y aille, ouais. Désolé, j'ai pas le temps. Ok. Ouais, à plus tard. Ok, mais on n'arrête pas de switcher d'équipe et tout, je comprends rien. Oh, je te jure. Retrouver Kirito aux ruines de l'Institut météorologique, un moment de panique.
Ok, puis eux c'est pareil, je pense qu'ils vont avoir des problèmes et tout, il va falloir aller les sauver ou un truc du genre. Bon bref. Que se passe-t-il maintenant? Au moins on va peut-être pouvoir avertir Eiji qu'on a trouvé Yuna, même si le héros est pas censé savoir qu'ils se connaissent. Ok, je me téléporte là parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve dans la zone. Il y a plein d'ennemis là-bas, donc j'ai eu de la chance de vite pouvoir me téléporter. Et donc encore une fois, je sais pas pourquoi je me retrouve avec Sidika et Lise. C'est pas trop grave ça, cela dit. Mais j'aimerais bien savoir où est-ce que je dois aller maintenant. L'Institut météorologique, il a dit... Aux ruines de l'Institut météorologique, voilà. Donc j'imagine qu'il faut entrer. Et voir un petit peu ce qui nous attend. Peut-être qu'il faut que je retourne à l'endroit où on avait arrêté ce donjon. On n'était pas allé tout au bout en fait. Ouais, ça doit être ça. Ouais, donc c'est pas ici en fait. C'est zone centrale. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Il faut qu'on se retrouve là où on s'était arrêté. Je sais pas pourquoi ils avaient dit que c'était la fin du donjon, mais on voyait très clairement qu'il y avait autre chose après. Donc, on va les retrouver là. Et donc, on en était resté avec Sachi. Je pensais que Kirito l'avait ramené au Glocken. Mais peut-être pas, en fait. Ok, voilà, force et défense, on est ok. Et donc sur ce, allons-y, Kirito avait l'air un peu paniqué, donc j'imagine qu'il va falloir combattre. Voilà, on en était resté là. Ok. Ok, le truc c'est que... D'accord, qu'est-ce que j'y peux en fait? Sachi, est-ce que tu m'entends? ブラックボックスが大きくなってきていて、このままではサチさんの思考機能がブラックボックスに飲み込まれてしまう可能性があります。それだけは絶対に避けたい。協力してくれないか? Ok, il n'y a pas de souci, mais je vois pas ce qu'on peut faire, absolument. ありがとう. それで具体的にどうするつもりなんだ?このまま、ここで彼女を囲んで心配していたら何か変わるのか?エイジ君!僕は事実を言ったまでですよ、アスナさん。ユイ、解析をしていて何か気づくことはなかったか?何でもいいんだ。とにかく今は一つでも多く情報が欲しい。そうですね。 ブラックボックスの形が妙だったということでしょうか?ん?どういうこと?うまく言えないのですが、何か硬くて光るもの、そう、まるで氷や鏡の破片のように見えたんです。破片?このクエストの名前は夜の女王よね。 何か関係が?女王ガラスの破片?何か聞き覚えがあるような。そうだ!あのお話!心当たりがあるのか、アスナ?うん!雪の女王っていう童話があってね。昔お母さんに読んでもらったことがあるの。悪魔の作った鏡の破片が
男の子は悪い子になっちゃうの。そう、男の子は雪の女王に連れ去られちゃうんだけど、友達が雪の女王の宮殿に行って男の子を連れ返すの。もしもこのクエストがその話を下敷きにしているのだとしたら、クリアすれば幸の記憶が戻るかもしれないってことか。断言はできないけど。 童話を下敷きに？GGOにしては珍しい。クエストね。そうですか。よくある話じゃないですか。カーディナルシステムのクエスト自動生成機能を利用したゲームの場合は確かに珍しくはないわね。クエスト自動生成機能を使用したゲームでは世界中の伝承をもとにストーリーが自動生成される。 でも、GGOはその機能を導入していないのよ。クエストは、すべてザスカー社が作っているはずなの。確かに、GGOのクエストは、SAOやALOとは違う雰囲気だったわね。もしかして、ザ・シードネクサスが、GGOのシステムに干渉している。そんなことは！いえ、待って。 完全にありえないとは言い切れないかも。もし、ザ・シード・ネクサスの影響でこのクエストが発生したのなら、何かの話を下敷きにしている可能性は高い。Ok, est-ce que Sachi fait partie de l'histoire? Est-ce que le fragment de miroir est la clé? Je sais pas trop quoi poser comme question. Mais en fait, si j'ai une autre question à poser, c'est plutôt... Je vous promets que je vois pas... Je vois pas pourquoi Kirito il a appelé le héros pour régler le problème, parce que je vois pas ce qu'il peut faire en fait. À la limite, Lena j'aurais compris, parce que peut-être qu'un Arfasis et tout, vu que Sachi c'est un PNJ là. Donc peut-être que Lena elle pourrait savoir des trucs, mais le héros lui-même... Bon bref, excusez-moi, pardon. Qu'est-ce qu'on va répondre? Peu importe, est-ce que Sachi fait partie de l'histoire? Ok, donc maintenant. Explorer le cœur des ruines de l'Institut météorologique. Donc c'est bien ça, on va reprendre là où on en était. Ah. Encore un message peut-être ? Non, pas du tout, mais je me retrouve avec Kirito et Asuna. Pourquoi pas. Et donc, ouais, donc c'est bien ça. On se retrouve ici et on va poursuivre. Jusque-là, j'ai compris. Attends. Et donc sur ce... Alors attendez que je vérifie quand même au niveau de la liste d'amis. Ouais, j'ai toujours pas de... Je peux toujours pas prendre de nouveaux persos. Ok. Ok. Allez, sur ce, on continue. Excusez-moi pour tout à l'heure. C'est juste que je... J'ai une petite incompréhension. On va dire. Petite incompréhension par rapport au scénario. Mais vous inquiétez pas. Ça ne change rien, en fait, qu'il faut quand même avancer. Ouais, d'accord. Sauf que là, ça va devenir coton. Surtout que j'ai un mal de chien à viser avec ce truc. Lui, si je le débuffe pas, ça va durer 3 semaines. Merci. Faut pas que je m'approche de ce truc. Ok, ça y est, je pense que... Ah voilà, je l'ai enfin eu. Ok. Maintenant. Maintenant. Faut essayer de ne pas mourir.
Ok, ça devient chaud là, je sais pas trop qui viser en fait. Ok, voilà, toi t'es mort. Ouais, c'est les tourelles en fait. Les tourelles, elles me gênent profondément. Ah mince. Voilà. Voilà, moi ce que je veux faire, c'est me débarrasser des tourelles. Parce que là, la situation nous échappe. Ah ouais, mais il y en a une autre ici en fait. Combien il y en a? Ok. Ok, maintenant, la dernière. Très bien. Et maintenant, les scorpions. Oh la vache. J'ai un peu de mal. Hein. J'ai un peu de mal à jouer, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que... Déjà, j'ai pas remis Betelgeuse en double comme ça. Et ouais, c'est plus comme ça que j'ai l'habitude. Ça a l'air de rien, mais je préfère. Largement. Ah, je te jure, même un petit monstre comme ça qui est coincé dans le sol, il me fait galérer. Ah là là. Allez, il faut que je me reprenne. Faut que je me reprenne. J'arriverai pas à terminer ce donjon comme il faut si je ne fais pas attention. Est-ce qu'on a bien visité tout ce qu'on devait? Ouais, pour le moment, c'est ok. Et donc, sur ce... Ah. Ok, cette porte a été verrouillée par un administrateur, mais normalement, j'ai déjà le rapport d'observation numéro 3. Et ouais. Je l'ai déjà, donc il n'y a pas de souci, ça va nous mener à un endroit... où on va peut-être avoir un combat, mais il y aura peut-être un trésor. Où ça? Ok, là-bas au fond. Ok, bon, jusque-là, ça va. Ça doit être encore un tireur d'élite. Ok, on va se... D'abord se débarrasser de ce qu'il y a au rez-de-chaussée parce qu'après, il va y avoir trop d'ennemis. Ok, jusque-là, ça va à peu près. Ah. Ok. Alors du coup, prenons ce trésor. Boucle d'oreille d'emblème H. C'est tant mieux, je n'en avais pas. Et donc sur ce, on peut reprendre l'ascension des escaliers, voilà. Je vais repréparer le debuff pour le prochain sniper. Ah mince. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de bien, j'aurais pas vraiment réussi. Je voulais esquiver sa balle en plein air et puis après, bref. Ce genre de truc. Mais après, on peut pas revirer sur la droite. Ok, vas-y comme ça. Très bien. Ah, le mec, il a rien compris, là. D'abord Asuna, ensuite moi, après Kirito, c'était cool. C'était très très cool. Donc, tout ça pourquoi? Pour activer le téléporteur du bas, je présume. À moins que j'ai oublié autre chose. Bon, je ne pense pas. Il n'y a pas de téléporteur, de truc à activer au second niveau. Ni au premier. Donc, ça suffit pour activer ça. Le truc, c'est que je sais pas où est-ce que ça va m'emmener. Et j'ai peur que ça me téléporte genre ici. Et on n'a pas fait...
on n'a pas fait... Attendez, je vais revenir un petit peu en arrière. Au pire, je prendrai cette épée plus tard. Là, pour l'instant, je veux voir ce que donne le passage conventionnel. À noter qu'on a un truc en haut aussi. Mais je ne peux pas passer, ce sera peut-être pour plus tard. Donc là, pour l'instant, voilà. Il faut qu'on aille ici et qu'on voie ce que donne le passage normal, entre guillemets. Non mais c'est bon, c'est les trucs qui explosent, ça c'est rien. Allez-y, faites tout exploser. Et ça devrait suffire. Ok, bien joué Lena. Comment gâcher son attaque ultime juste après que les ennemis soient morts. Ok, donc... Ah ouais, c'est pas... Si ça se trouve, c'est pas du tout le même chemin, en fait. Oh la vache! Ça va être super long. Ok, ok. Bon, continuons par là pour le moment. Pour voir ce que va donner la suite de ce donjon. Ça c'est fait. Quoi, c'est tout? Il a dit qu'il y avait un sniper, je l'ai pas vu. Bon. Bon, 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 continuons donc par ici. Ouais, c'est franchement trop ça, hein. Ce donjon est beaucoup plus long que ce qu'on avait vu précédemment. C'est tout à fait normal. Qui est complètement raté. Très mauvais plan tout ça. Très très mauvais plan. Je ne sais pas du tout où je suis. Je ne sais pas non plus comment je vais m'en sortir. Attendez, attendez, repli stratégique. Parce que là, je vais pas y arriver. Déjà, vous êtes trop nombreux, messieurs. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Ok, et de deux. Et de deux, mais il n'y en aura pas plus si je continue à faire l'idiot. Et puis en fait, c'est les tourelles qui me gênent. Ça va pas, ça. Ça va pas. Ok, faut que j'active ce truc. Ah, ça devient dur, hein. Ça devient franchement pas évident. Ça s'est fait. Ça s'est fait aussi. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est très... C'était très bizarre, là. Je me suis arrêté tout d'un coup. Je pouvais pas bouger. Mince. J'ai dû faire une mauvaise manip, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est qu'on s'en soit sorti. Mais j'ai eu un peu peur, là, je vous l'avoue, cette salle. C'était un petit peu la salle de l'angoisse. Il y avait des espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle, je retiens jamais leur nom. Des simi quelque chose. Mais ces trucs, ça me fait tellement peur, moi. Je trouve qu'ils peuvent nous défoncer très rapidement. Ok, donc, ici, téléporteur. Il y a toujours le téléporteur qui est ici, hein. Donc pour l'instant, on va prendre celui-là, mais... Je sais pas trop lequel il... Ah, d'accord. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça nous ouvre cette salle qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Donc ça, d'accord, mais du coup... Qu'est-ce qui se passe si on prend, au contraire, ce téléporteur? Est-ce que ça nous amène au même endroit par hasard? Pas du tout.
Ok, je ne sais absolument pas où on est. Voilà, les scorpions, c'est ok, je pense. Et donc, sur ce, où est-ce que j'ai atterri, moi? Ah, mais j'ai atterri juste après, en fait. D'accord, donc c'était bel et bien... Ça mène au même endroit, mais par un autre chemin. Ok. Donc, la question, c'est... Ces téléporteurs, à quoi ils servent? Surtout celui-ci, là. Bon. On va prendre les deux autres dans l'ordre et on verra bien. Le premier, c'est celui-là. Ah, je te jure. Ce donjon est bien moins hospitalier que ce que je croyais. Ah non, mais c'est l'horreur. Laisse tomber, là, c'est foutu, là. Allez, tire. Désolé, je ne vois pas comment je vais y arriver. Je ne vois pas du tout comment je vais m'en sortir. Allez, debout. Ah là, franchement, je vois pas comment je vais faire. Bon, je me suis laissé un petit peu prendre par surprise aussi par cette salle, je le reconnais. Je pense qu'en y retournant, mieux préparé, ça devrait passer. Puis voilà, plus fort. En y retournant, plus fort. Allez, ok. Écoutez, on perd pas de temps. Je vous retrouve dès que je serai revenu ici. Et cette fois-ci, on va s'en sortir. Oh, regardez ce que je viens de trouver. Ça, c'est très très joli, ça. Et légendaire en plus. Ah ouais, mais non. Fusil à pompe, c'est à nouveau la flèche sacrée. Ah, c'est pas cool, ça. Moi, je voulais autre chose. Oh, tant pis, écoutez. Allez, les scorpions. Les scorpions, c'est ok. Alors, ma jauge de médaille, elle est pas à 100. Ça, je vous avoue que ça m'inquiète un peu. Mais on va quand même essayer de... De faire quelque chose de bien. Ouais. En fait, ce qui m'arrangerait, ce serait d'avoir... Voilà. Ceci. Allez, du coup, je pense que je peux m'en sortir. Si j'active bien tout ce qu'il faut. Et si je tue tout ce qu'il faut tuer. Rapidement. Voilà, maintenant il faut débuff les groupes. C'est le bazar cet endroit. Et maintenant, il faut essayer de s'en sortir comme on peut. En snipant tout ce qu'on peut. Ah mince, il est pénible, il m'énerve. Je déteste ces trucs-là. Allez, dégage. Ok, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Bon, tout à l'heure, c'est vrai que c'était peut-être un petit problème d'arme. Enfin, je suis persuadé que j'aurais pu m'en sortir au sabre laser, mais... J'ai laissé la situation s'envenimer... Et je ne m'en suis pas sorti. Voilà, voilà. Allez, continuons. Parce que nous avons un autre téléporteur.
Donc si ça se trouve, ça va être encore plusieurs. Ok, non, je suis déçu pour le drone doré parce que... Moi, je veux une autre arme et le fusil à pompe, ça va encore être la flèche sacrée, vous allez voir. Ok, cette fois-ci, deuxième. Ah, cette fois-ci, je vais aller buter ça direct. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et maintenant... Ah, ce truc là-haut. Ce truc là-haut, c'est l'horreur. Si ça nous paralyse, on est foutu. Voilà, très bien. Mince, j'arrive pas à viser. J'arrive pas à viser. Je panique trop. Ouch. Ok, voilà, ça c'est fait. Bon, ça va. Franchement, cette salle, elle est moins compliquée. Attention à ça, quand même. Oh là là, mais j'arrive à rien. C'est impressionnant. Efficacité 0. Alors là, je suis très déçu. Ok, donc. Il en reste encore, c'est ce que j'avais compris. Non, regarde de l'autre côté, voilà, merci. Et sur ce, il reste encore celle de l'autre côté. C'était une croix. Hein. J'avais pas trop fait gaffe au début, mais... Là, maintenant, c'est bon, j'ai compris. Ok. Allez. Même traitement. Je n'y arrive pas, je suis vraiment pas en forme. D'habitude, ça se passe autrement. Ok, donc, où est-ce que je suis, là? D'accord, je suis ici. Ok, c'était les deux salles qui étaient sur le côté. Et donc, je pense qu'on a fini avec ça. Ok. Et donc, normalement... Ouais, ça me ramène... Ah, en fait, j'étais obligé de le faire. Je pensais que c'était optionnel pour ne rien vous cacher. Mais j'avais pas percuté que ce téléporteur là-bas, il s'allumerait pas, quoi. Bon, bah c'est fait, c'est fait. D'accord. Alors, ce genre de boss, on le connaît. On l'a déjà croisé dans le premier DLC, Embuscade des imposteurs. Et maintenant, je sais comment faire pour les vaincre. Sans trop de problèmes, même s'il faut faire attention à leurs petits copains, il faut viser les mains. C'est les mains le point faible. Si on vise les mains, ça devrait bien se passer. Amas. Voilà, vous visez les mains. Si vous pouvez. Pourquoi ça n'a pas marché? Serait-ce une nouvelle version? Masse. Vise les mains. Les mains, les mains, les mains. Ok, c'est tout bon. Et donc maintenant... Voilà. Vise le point faible. Et ça va très bien se passer. Et ça, je ne le savais pas à l'époque du premier DLC. Ok, il faut quand même faire attention aux cristaux parce que je pense qu'il y en a qui vont le régénérer. Ok. Et donc sur ce, envoie tes mains. Et c'est tout bon, on peut l'achever. Voilà, c'est très très simple si on vise les mains, y a pas de souci. Deux objets, pourquoi? Épée non identifiée, chapeau de magicien bêta. Oh, vous croyez que ce sont de nouvelles armes? Ah, ça me donne envie de retourner les faire analyser. Mais bon, où est-ce que je suis, là?
Ah ouais, d'accord, je pensais que ce serait un peu plus long. Mais ça y est, on en a vu le bout. Et donc sur ce, continuons. S'ils nous ressortent les boss qu'on a eu dans les précédents DLC, ça va être sympa. Parce que maintenant, je sais comment les vaincre. Donc ça devrait aller. Votre position actuelle a été enregistrée comme point de déplacement rapide. Ok. Bon, écoutez, en temps normal, je me serais arrêté là. Mais là, je vous avoue que j'ai très envie de voir ce qui va se passer. Donc je propose d'avancer encore un peu. Je sais pas combien de temps fera cet épisode, parce que j'ai fait des coupures, mais j'espère que ça ira. Ok.扉がこりついてる。さあ、この奥に幸を助ける鍵があるかもしれないのに。レイちゃんがいるのに扉が動く気配はなし。ということは何か別の条件が必要なのね。もうすぐ朝だ。今晩中にその条件を見つけるのは無理だろう。 ここは一度解散して、また明日改めて作戦会議を。いやダメだ。キリト君。サチの様子はどんどん悪くなってる。次にログインした時、サチが無事とは限らない。俺はここに残る。みんなは言ってくれ。この扉を通るための情報は ここにいては集まらないだろうし。たった一人でダンジョンの最終部に。このまま幸を放ってはいけないんだ。もう二度と会えない可能性だってある。またそんなことになったら。お前。だったら、私も残るよ、キリト君。二人で幸さんを守りましょう。アスナ。 ここをキリト君たちに任せて手がかりを探しに行くとしても、手当たり次第じゃ時間がかかりすぎるわ。そうね。せめて何か手がかりがあれば。お、どうしました、マスター。扉に何か？ Ah ouais. Ouais, bien vu. OK. Quoi? Ouais, c'est le symbole, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, je l'ai remarqué moi aussi sur la fin. Ouais, voilà, juste au moment où on a vu ce symbole sur la tour, enfin sur les portes d'entrée de la tour bleue. Exactement, on a vu cette phrase là-bas, on a vu ce symbole et tout, c'est pour ça que j'ai reconnu. Ok. Ok, je vais aller vérifier. Exactement. Ok, d'accord. Donc tout commence à se mettre en place. Enfin, c'est surtout moi qui commence enfin à comprendre. Comment c'est foutu tout ça? Les deux endroits sont liés, bien évidemment, et on peut pas progresser dans l'un si on ne progresse pas dans l'autre. Ceci explique cela. Donc on va devoir s'occuper de cette voilà, de cette tour bleue là-bas. Pas tout de suite quand même. J'aimerais bien refaire un petit tour en ville parce que j'ai des armes à voir. J'espère que ce sera possible. Qu'on puisse s'occuper voilà, de cette tour la prochaine fois. Ouais. Allez, foutons le camp pour l'instant. J'ai toujours pas de téléporteur qui mène dans le blizzard. Bon, c'est pas grave. On va pas s'occuper de ça maintenant. On va retourner, voilà, dans la chambre de Kirito et des autres. Spirale des ténèbres 3. Pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est jamais des légendaires qu'on récupère avec la prime. Du coup, ça m'intéresse pas.
Ok, voyons voir, j'ai hâte. Nouvelles armes, s'il vous plaît. Contre le boss, là, il y a forcément un truc. Ok, coiffe de médecin, lunettes rondes. Je vérifierai plus tard. Là, je veux juste voir si on a un truc de nouveau. Ouais, voilà, flèche sacrée, je vous l'avais dit. Hein. Le drone doré, c'était encore cette arme, et c'est dommage, parce que je l'ai déjà et tout. Vous êtes sérieux? Bon, remarque, ouais. Ok. Là, je suis déçu, là. Je m'attendais à mieux, très honnêtement. C'est la grosse déception. Mais j'ai bon espoir qu'on trouve des choses nouvelles dans la tour, donc, qu'on est censé faire, là. Je pense que ce sera un nouveau donjon. Et donc, qui dit nouveau donjon, ben, dit nouvelles armes. Enfin, il va falloir que je trouve le drone doré à tous les coups. Mais je suis persuadé que je peux gérer ça. Avec un peu de chance. Et donc, on se retrouve avec... Avec personne, en fait. Ah oui, parce qu'on n'est pas encore retourné avec eux. J'imagine qu'on aura une équipe prédéfinie quand j'y retournerai. C'était mortel. J'ai adoré notre petite excursion. C'était grisant de combattre tous ces ennemis. J'ai combattu dans beaucoup de groupes, mais tu restes mon préféré. C'est peut-être trop demandé, mais j'aimerais être ta partenaire exclusive. On m'a déjà demandé ça. D'autres ont déjà demandé. Bref. Allez, du coup, la prochaine fois, donc, partie suivante, on ira voir un petit peu ce qui se cache du côté de cette grande tour bleue. Avec le groupe de Len cette fois-ci. Et j'espère vivement, j'espère vraiment que ce sera un nouveau donjon pour que je puisse récupérer de nouvelles choses. Et j'espère aussi que je jouerai mieux que ça parce que là, tout à l'heure, j'ai un peu galéré. Allez, moi sur ce, je vous dis bye et salut à tous.